Coucou tout le monde. Je voulais vous faire une petite amélioration en option pour ce tuto. Donc ici, si vous avez comme moi acheté ces crochets, vous en avez eu 10. Bon, moi j'en ai cassé un bêtement. Enfin, normalement, vous en avez utilisé 5 à l'intérieur pour accrocher les clés. Il vous en reste 5. Ce que je vous propose... Alors, il faut que je fasse attention à mes aiguilles. C'est d'ajouter ici un bout de carton. Donc, d'une longueur un peu plus longue que les crochets, là. Voilà. Bien solide. Donc, peut-être plié en deux. Puis, vous faites attention parce que là, c'est plus grand que du A4. Hein, donc, il va falloir faire un petit rajout que vous recouvrirez après avec... normalement, il vous reste un petit bout. Là, il vous reste une bande du papier quand on a fait le contour sur laquelle on a un petit peu utilisé ça. Donc à vous de voir. Mais sinon vous pouvez le décorer en rose uni, hein, si vous voulez. Vous y mettez... Ah bah bien, si je commence à ouvrir tous les tiroirs en même temps. Voilà. Donc j'essaye de vous expliquer. Ici vous collez votre bande à l'arrière de manière à ce qu'elle descende ici. Vous n'êtes pas obligé de la mettre sur toute la longueur. Vous pouvez la faire un peu plus courte. Dans ce cas-là, vous arrondissez les angles, par exemple, pour qu'elle soit bien jolie. OK. Vous prenez un papier rose sur lequel vous fixez vos 5 crochets qui vous restent. Et vous venez le coller sur cette bande de papier noir. En faisant le papier rose 5 mm plus petit que le papier noir en longueur et 5 mm plus petit en largeur. Et donc, vous pourrez y accrocher les laisses pour les chats. Voilà. Éventuellement, les petits chiens aussi. Peut-être pas des laisses très grosses et très lourdes. Mais voilà, comme ça, si vous avez plusieurs chats, quand vous partez, c'est pour ça que je vous dis que 5 crochets, c'est peut-être le maximum. Si vous avez 5 chats ou 5 petits chiens, passe encore. Les chats qu'on promène en laisse sont quand même assez rares. Enfin, moi, j'en ai... Par chez nous, les chats ne se promènent pas en laisse, ça ne se fait pas. Les chats, ils sont ou très enfermés ou très libres. Voilà. Donc, mes 5 petits chiens, à l'époque où j'avais des York, j'en ai eu jusqu'à 5 en même temps. Vous mettez les petits crochets, quand vous arrivez, toc toc, vous accrochez vos laisses. Voilà. Donc, c'était juste une petite idée. Je ne vous fais pas le tuto précisément. Parce que ça va dépendre si vous avez besoin d'accrocher 5 laisses, une laisse. Si vous avez besoin d'accrocher que 2 laisses, vous pouvez mettre que 2 petites bandes de papier qui pendouillent. Ou vous mettez une bande comme ça. Mais je pourrais vous montrer si j'avais une chute de papier. Voilà. En fait, mon idée, c'est un peu ça. Tout simplement. Ça, bien collé. Et avec par-dessus les crochets là. Les crochets voilà, donc avec du papier rose hein, évidemment par-dessus le papier noir et vous mettez vos crochets, voilà, tout simplement. C'est vrai qu'à la base je voulais justement que les clés ne soient pas accrochées dessous. Parce que je voulais que le hall d'entrée où on met cette horloge, cette pendule, reste propre et net. En même temps, si vous avez énormément de clés ou si vous avez des enfants, pas des bébés, hein, mais des enfants de 10-12 ans qui n'ont pas la patience d'ouvrir le crochet à chaque fois, vous pouvez aussi mettre les clés en dessous si vous avez envie. Voilà, ça peut vous permettre aussi de rajouter encore des clés. Les clés, ou les laisses pour les petits chiens, ou les laisses pour les chats. Pas des choses trop lourdes. N'y mettez pas des manteaux, des casquettes, des sacs à main ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas prévu pour. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bisous, bye bye et à bientôt. Merci de liker les vidéos, toutes les vidéos au fur et à mesure. Et puis voilà, on se retrouve à la prochaine. Et merci de m'avoir regardé. Bye bye, à bientôt.